Il avait fait le second tour devant Le Pen, certain de battre l'ex-balourde Ségolène. C'était ce que disait Carla jouant la voyante, mais son bilan était bien là par les votantes. Convaincre cons ou naïfs demande du génie, mais la technique a ses limites malgré l'envie de séduire les enfants de Pétain à force de rhum, tout autant que les bons chrétiens croyant en l'homme. Comment pourrait-on oublier, même sans elle, tout ce qu'il nous fit endurer, filet nouvelle, avec les réductions d'impôts sur la fortune, l'argent pris là où votre dos ressemble à la lune. Car si dans l'art faire le trottoir certaines pressent, à ta Hollande il faut savoir que question fesse, elle épargna bien des potins bien plus sévères, comme quand il sauta de chez Martin le cul à l'air. Rapidement défié par le maître Jacques, pour un vrai duel il part très vite fuyant la claque, en écoutant que son courage muet ses bêtes n'en déplaise à son entourage, quel homme honnête. Dire que l'on accuse de choses douteuses ce parangon de la vertu, chose précieuse, alors que tout le monde sait qu'ils sont tous probes, tous ces copains de l'UMP qui ont de bons jobs. Après nombreux de crises aiguës de polyéthique, c'est bien que Sarko soit revenu en politique. Au milieu de tous ces salauds, ces malhonnêtes, il fallait un guide, un cerveau, un bien honnête. Surtout qu'il est bien entouré, notre Sarkozy. Rien à voir avec le François et ses amis. Paraît qu'il mange même pas votre fric, incompétence. Vive la moralité publique dans notre France.